Clap. Ouais. Clap, clap. Ok, c'était Alinsky dans ta gueule, rien qu'à toi, à la Tania, rien qu'à eux. Les battements d'ailes du papillon s'appelle ce premier morceau à la tanière. Et puis c'est tout. Ça démarre comme ça. Dans le lointain, le soleil, lui. Ici, le ciel s'obscurcit. Une brise légère se fait sentir. Il serait temps de te couvrir. Faudrait penser à te couvrir. Toi, le politique, fais attention au battement d'ailes du papillon. Tu fais vibrer les carillons, vont te faire sauter, petit con. Et sonne le glas de ton élection. Le soleil a disparu et la pluie est apparue. Le vent fait claquer les volets, les caniveaux vont déborder. Le linge qui séchait s'est envolé. Toi, politique, fais attention au battement d'ailes du papillon qui fait vibrer les carillons, vont faire voler, petit con. Sommes le glas de ton élection. À présent, le ciel est noir. Pas très loin, une tornade. Tourmentée, s'est formée. Je crois que tu ferais mieux de te planquer. Ouais, tu ferais mieux de te planquer. Toi, le politique, fais attention au battement d'ailes du papillon. Qui fait vibrer les carillons, vont faire sauter, petit con, et sonne le glas de ton élection. Je crois que tu n'as qu'à te planquer, si tu ne veux pas être enterré par la pluie de pavés que la tornade a arraché, la tornade que t'as provoquée. Toi, politique, fais attention aux battements d'ailes du papillon qui font vibrer les carillons, vont faire sauter, petit con, mèneront à ton exécution sous la métaphore météo. Il ne s'agit plus d'idéaux, mais d'un peuple qui a faim, qui ne veut plus crever au turbin, qui ne veut plus crever au turbin. Toi, politique, fais attention au battement d'ailes du papillon qui font vibrer les carillons, vont faire sauter, petit con. Appel à la révolution, appel à la révolution, appel à la révolution, appel à la révolution. Ouais, alors là, quand t'appelles comme ça les mecs à la révolution et tu leur dis putain, ça va être fou pour ta gueule, les mecs, il y a des chances qu'ils passent ce qu'on appelle une journée pourrie, et si c'est pas eux qui la passent, ben forcément ça va être toi. Parce que. Pff, voilà. D'abord. Alors. Et, elle est fort sympathique celle-là. Allez, on y va. Quand le réveil sonne au petit matin. Quand le réveil sonne pour aller au turbin. Si t'as mal dormi, tout est rendormi. Si t'as mal dormi, tout est rendormi. Ça devient compliqué, il faut te lever. Ça devient compliqué, il faut te lever, te laver, t'habiller, petit déjeuner. En prenant la route, t'oublies ton casse-croûte. Il était petit ton repas de midi. Sauf si tes collègues te filent le morceau. Sauf si te reste un ticket resto. Il y a des jours comme ça, des journées pourries.
ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri, ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. Une fois au boulot derrière ton bureau, ou bien bien au chaud dans un atelier. Tu penses au café, tu vas t'avaler, à la petite pause qu'on va t'accorder. Quand t'arrives midi, tu es dégoûté. Tu es dégoûté, ben y a plus de café. C'est ton petit chef, encore de rechef, qui l'a terminé et on n'a pas racheté. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri. Ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri. Ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. C'est ton petit chef, cette espèce d'abruti, qui à 14h pile te dit de rempile. S'il te sent fébrile, le lira aux huiles. Alors tête baissée, tu retournes travailler. Pour ton petit crédit à la consommation, ou simplement pour payer ta maison. Ouais, ouais. Tu fermes ta gueule en gros devant ton petit chef. Putain, réveille-toi, les yeux, un coup de tête, merde. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri. Ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri. Toi tu veux pas, toi t'as pas envie. Et puis t'as sommeil, tu t'endors sur tes mails. Voir sur ta chignole ou dans ta bagnole. Dormir au volant tout en conduisant, c'est pas très marrant, puis ça fait mal aux dents. Tu es défoncé, tu es fatigué. Le travail salarié, c'est pas la santé. Tu es défoncé, tu es fatigué, le travail salarié, c'est pas la santé. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri. Ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri, ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. Une fois rentré, tu vas te coucher. Mais t'es fatigué, pas envie de baiser. Mais là tu t'en fous, c'est dans un lit tout doux, c'est dans un lit tout doux que t'oublieras tout. Il y a des jours comme ça, des jours où on est pourri. Ou toi tu veux pas, ou t'as pas envie. Puis un jour il y aura des journées comme ça où t'auras envie. Où t'en auras envie et du coup tu te redresseras. Tu vas voir ton petit chef, t'y mettras un doigt et t'y feras un coup de tête. Un coup de tête. Parfois, il n'y a pas que des choses de merde qui peuvent arriver dans la vie. Parfois, il y a un truc qui est vachement sympa, c'est les amis. Alors, je vais vous parler de mes amis, tout le monde n'a rien à foutre, en fait, mais j'ai des amis, voilà, j'en ai deux et demi. Le morceau s'appelle « Amis », voilà, au pluriel, ok. Il est des gens que tu croises dans ta vie. Il est des gens qui deviennent des amis. Moi, j'en ai deux, pas trapéziste, flûtiste. Et quand on se croise, on se marre et c'est pas triste. Ils sont artistes, mais pas dans ta radio. Ils ne sont pas riches, c'est des anarchos. Lui, c'est Jean-Claude et sa petite souris. On l'appelle Mousse, elle est très bien aussi. C'est sur un festival que je les ai rencontrés. Ils étaient là pour jouer, pour chanter. Après le set, j'étais leur causé. Et tout de suite, une amitié est née. Ils vivent tous les deux dans leur petite maison, avec leur chat ou bien dans leur camion. Oh, un micro, merci. Avec leur chat ou bien dans leur camion. Et quand ils viennent dans le coin pour jouer, je me les retrouve à la maison pour pioter. Il est des gens
gens que j'ai croisés dans ma vie. Il est des gens qui sont devenus mes amis. Eh oui, je suis conscient de leur influence aussi. Et peut-être que sans eux, il n'y aurait pas Arlinski. Mais t'inquiète pas, je te rassure, j'ai pas que dans ma vie. Il y a les Credo et Luigi Lopoto. Il y a les gars d'Arakiri, JC qui est parti rejoindre Ludo et puis Chichen aussi. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelques amis sur qui, en cas de coup dur, tu peux compter aussi. Et comme dit Jean-Claude, quand on s'aime, on s'encule pas, on tasse la merde. Et si sans Prince Ringard, il n'y aurait pas Arlinski, il y a quand même une personne sans qui je serais plus en vie. Elle, c'est la femme de ma vie. Et je crois bien que c'est ma meilleure amie. On était parti tout à l'heure sur des trucs qui commençaient à être énervés. Alors je vais boire un peu. Parce que là, on est sur du morceau de 49 minutes 3 secondes. Ben oui, spécial dédicace à Manu, aux autres. Alors le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup les artistes, les chanteurs, genre... Bon, Renaud, bon, d'accord. François Béranger, ce genre de choses-là, Aristide Bruant, qui étaient des chansonniers, en fait, et qui, souvent, essayaient de coller au goût du jour, aux infos. Et du coup, ça, c'est mon morceau chanteur qui colle à l'actu, ou presque. Et donc, du coup, il est long. Voilà, 49 minutes 3. Et oui, il s'appelle Catharsis. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on est énervé. Donc, il faut sortir, faut... Allez. Parti. Allez. Ben forcément, j'ai pas pris le bon. C'est beaucoup d'harmonie. Avec une guitare, au moins tu te fais moins chier. Hop là. Allez. On la poche. Hop là. C'est reparti. Je suis curé, pas jamais, quand j'écoute la radio, la télé. Moi j'ai envie, tout fracasser, même mon poste de radio qui m'a rien fait. Je suis dégoûté, Christophe Barbier. Je suis dégoûté, Christophe Barbier, chroniqueur pour des cérébrés, me donne avis de tout péter, mais de tout cramer avant de fusiller les banquiers. Je suis écœuré, prêt à gerber, quand je m'attarde un peu dans les troquets, j'écoute les gens désabusés par ces gros fils de fumier assemblés. Mais pourtant, ouais, moi, je suis heureux quand tu l'abloutis dans un creux, yeah. Et parfois, je suis coquin quand c'est un politique qui est mis en examen. Je suis dégoûté, je suis révolté, quand c'est pas 49-3 qu'on vote les lois. Je veux casser, tout fracasser, quand un manif, les flics viennent t'éborgner. Je suis consterné, très énervé, quand je vois les soignants pas vaccinés. Les suspendus, combien morflés, qui paraît-il, il était temps de réintégrer, mais non, faut les payer, vraiment les réembaucher, merde. Je suis consterné, je suis écœuré, quand j'entends... Hop là, je reprends juste là,
Je suis blasé quand j'entends des vieux qui s'éclatent à la retraite comme des furieux. Dire pour ta retraite, y a plus un rond. Putain, faut qu'ils arrêtent. Y a du pognon. Eh ben mon gars, je t'apprends rien. Du pognon, y en a. Il est dans les poches du patronat. Suffit d'aller le récupérer. Ah ouais, mais en fait, ils ont plein de potes à l'Elysée, toi. Ça va être un peu compliqué. Tu veux récupérer ta thune, tout ça. Ok. Mais moi parfois, ouais, ouais, je suis content quand tu me réserves tes sous-vêtements. Et moi parfois, je suis joyeux quand c'est un quart de flic qui prend feu. Ça me sidère, ça me fout les nerfs quand je vois les bénéfices des actionnaires. Ceux qui de leur vie n'ont pas trimé, faudrait peut-être leur prendre et partager. Je suis stupéfait, impressionné quand je vois la thune qu'on lâche pour faire la guerre. Pour être correct, c'est mieux de dire la thune qu'on met pour l'Ukraine, tu vois, enfin voilà. Hein? Faut de l'armement. Il y a des méchants, ouais, il y a des méchants. Et oui, c'est pour gagner, il faut soigner nos milliardaires, hein, les militaires, quoi. Mais moi, parfois, je suis confiant quand je vois le doux sourire d'un enfant. Et s'il est un peu décoiffé, c'est peut-être pas la faute du curé. Ça me fait vomir, ça me fait gémir quand la maison d'Yannick à Saint-Brévin s'est incendiée par des crétins, lui qui voulait juste accueillir d'autres humains. Si ça fait long pour une chanson, mais moi vraiment j'en peux plus de tous ces cons, de ces nazis, décomplexés quand ils défilent tranquilles protégés sur les Champs-Élysées, merde. Je suis énervé, GG, envie de taper. Quand je vois Pétain réhabilité, il y aurait urgence, ouais, à enfermer le président dans le fort du Portalé. Je suis terrorisé. Tétanisé quand je vois le rapport du GIEC, tu sais, le GIEC, on est déjà tout ce qu'on avait, mais on s'en fout, continuons de consommer comme des fous, quoi, hein, voilà. Mais ma parfois, je me surprends quand j'ai le chat qui est tout contre moi. Arrivez, que les fascistes ne passeront jamais. Ah ouais, la bête immonde est déjà à l'Elysée, merde. Ça me fait marrer, moi, de penser que quand des hommes, la terre sera débarrassée, il y aura bien bestiaux paumés qui, sur la tombe du Macron, ira chier, et de la Borne aussi, puis il y a tout un tas de... Bon, bref, ma petite chanson est terminée. Je sais, longtemps, elle aurait pu continuer, ouais, ouais. Il y a tellement de choses qui font vriller et que des couplets, je pourrais sans cesse rajouter. Mais j'ai la gorge tout desséchée d'avoir soufflé, aspiré, chanté. Maintenant que j'ai presque terminé, tel un Jéhovah, un pays à boire. Le bar, du coup, je vous propose de vous amener maintenant. C'est une chanson intimiste. On va dire ça comme ça. Une chanson désabusée un peu. Beaucoup moins que la précédente, hein, quand même. Et donc. Ah, ça c'est. Eh bien non, c'est le même. C'est la même tonalité. Ok, donc ça s'appelle Au bar de l'amitié. Parce que bien rien de plus important que l'amitié, parfois, et souvent, et toujours. Ok. Quand tu ne sais pas vraiment si tu perds pas ton temps, quand tu ne sais plus vraiment si t'en reste du temps, avant que la faucheuse, cette belle laborieuse, ne vienne te chercher au bar de l'amitié. Quand tu penses aux copains, qui certains sont bien loin, et ceux qui ont disparu,
que tu ne reverras plus. Je sais, c'est pas marrant, mais te reste les vivants. Et si j'ai bien compris, de la famille aussi. Quand tu crèves lentement de l'absence d'enfant, tu te dis certainement que tu te manques concrètement, que de toute façon t'es vieux, et que peut-être c'est mieux, et que si t'es pas vieux, c'est ce monde qui est trop vicieux. Quand tu fais le bilan de tes engagements, de ce qu'ils t'ont apporté, y a pas de quoi fantasmer. Quand tu fais le bilan des bons mauvais moments vécus par le passé, t'as juste envie de chialer. Pourtant pas de regrets, tu ne peux rien changer, tout juste améliorer les liens que t'as tissés. Et puis si tu t'ennuies, si tu sens la fin de la partie, tu t'en iras à pied au bar de l'amitié. Avec une amoureuse, les tracas de la vie sont de petits soucis. Et puis si tu t'ennuies, sans la fin de la partie, tu iras t'accouder au bar de l'amitié. Sans que tu saches vraiment si t'as perdu ton temps à vivre cette existence qui te semble bien rance. Avant que la faucheuse, cette belle laborieuse, ne vienne te chercher au bar de l'amitié. Alinsky, dans ta gueule. Alinsky, je gueule tout seul. Alinsky, à la tanière. Alinsky, c'est fini.